Mais il a donné pas de rendre compte. Père, capé, je suis doué capé. Si tu es capé, tu peux parce que tu peux même les collègues. Si tu es capé, tu peux salut, merci de me donner merci pour oui, mais c'est un ensemble d'éléments. C'est un ensemble de quoi? Des principes, des méthodes, des instruments, des données qui permettent de faire la saisie, l'analyse, de simuler, de comprendre, d'afficher, d'expliquer. C'est un système informatique. C'est un ensemble. Ce sont les principes, les méthodes, les instruments, les ordonnées, qui vont nous permettre de faire de la saisie, qui vont permettre de faire de l'analyse. Ça fait chaque élément joue un rôle bien. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Je ne vais pas dire que. Ça va, hein? Je ne suis pas venu pour bavarder pour rien, mais il faut retenir quelque chose. Je le dis parce que vous faites le cycle aussi. Donc, si tu fais ça, il faut savoir ce que c'est. Si tu ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas. Le cycle, ce n'est pas le logiciel de grâce. Tous ceux qui pensent que maîtriser un logiciel, dit qu'ils sont un spécialiste de cycle, ils ont menti. Étant donné que le logiciel même fait partie des composants du cycle. Mais comme je l'ai dit, le cycle, la fonction a le cycle a quatre fonctionnalités. Et la fonctionnalité la plus importante, c'est quoi? C'est l'analyse. Parce que le but ici, c'est de faire quoi? C'est le produit de l'information. C'est le produit de l'information. Ce n'est pas pour produire quatre, mais c'est le produit de l'information qu'on va mettre quoi? À la disposition des décideurs ou bien on va prendre pour aider à prendre la décision. Et ça peut être le sujet est un outil d'aide à la décision. Ce n'est pas la carte, mais c'est l'information que tu vas donner. Si tu as fait ton site, tu as superposé les données, les couilles, ainsi de suite, et puis après tu dis, ah, pour cette zone-là, je vois que ici, s'il pleut, il peut y avoir une inondation là. Mais c'est quoi? C'est une information que tu as donnée. Alors le monsieur, s'il veut vraiment construire, il va essayer de faire des aménagements avant de construire. Donc, moi, je suis ici. Ce n'est pas la carte. Ce n'est pas aussi maîtriser un logiciel pour dire non. Tu as maîtrisé le logiciel, tu n'as rien compris dans le site. Parce que dans le site, quand vous allez le faire, il faut d'abord chercher à savoir quelles sont les données qu'on a besoin. Et je l'ai dit pour un expert, si quelqu'un qui va se dire qu'il est vraiment expert en Afrique, le monsieur vient dire, ah, j'ai telle étude à faire. Mais quand il te dit, toi, tu vas essayer de voir quels sont les types de données que tu as besoin. Maintenant, si tu ne sais pas quel type de données, c'est que tu es comme un maçon. Tu n'es pas un architecte. Un architecte, c'est celui qui va créer, qui va réfléchir. Donc, par cette petite définition, on a essayé de voir les composants du cycle. Et parmi ces composants, aujourd'hui, on peut citer quoi? Le matériel, tout ce qui est support, tout ce qui va nous permettre de collecter, de stocker ou bien. Ensuite, on a le logiciel. Je n'ai jamais dit les logiciels, dit le logiciel. Parce qu'il y a plusieurs logiciels. À toi de choisir le logiciel qui se dessine pour faire ton travail. Mais ce n'est pas pour rien. Il ne maîtrise pas un petit logiciel qui est là. Mais chaque fois qu'on dit à un logiciel, il va installer ça sur les machines. Ils ont beaucoup de logiciels, mais ils ne maîtrisent même pas un. Si tu maîtrises un seul logiciel, si c'est ça qui peut te permettre de t'atteindre, il faut l'utiliser. Il faut essayer de voir les logiciels qui existent. Pour lui, vous avez la chance qu'il y a des logiciels, lui. Il y a des logiciels qui sont commercialisés. Ensuite,
On a parlé de l'abandonner. L'abandonner, c'est l'élément essentiel. Tout le reste est essentiel, mais comme notre but ici, ce n'est pas de prouver la puissance d'un ordinateur. Ce n'est pas de prouver quoi, la perfection d'un logiciel. Mais notre but ici, c'est de faire ressortir l'information. Maintenant, si tu n'as pas de données, c'est quelle information que tu vas faire ressortir? Et c'est quelque chose, on dit que c'est la donnée qui est l'élément essentiel. Parce que à la fin, il faut traiter la donnée, il faut l'analyser, et c'est quand tu vas traiter la donnée, que tu vas faire ressortir quoi? L'information. Mais si tu as le meilleur ordinateur, plus puissant, tu as tout, tu t'en t'assois, tu n'as pas de données, qu'est-ce que tu vas faire de ton information avec? Et ensuite, la donnée, on a parlé de quoi? De l'utilisateur, de le personnel. C'est quelqu'un qui s'y connaît. Vous parlez toi-même, n'importe qui, c'est quelqu'un au moins qui s'y connaît dans le logiciel que vous avez utilisé dans les outils. Et après, maintenant, il y a la procédure ou bien la méthode, qui est aussi un point essentiel. Parce que si tu ne sais pas, moi, je dis toujours, si tu ne sais pas ce que tu veux faire, ce n'est pas en t'asseyant devant la machine que tu vas trouver la solution. C'est parce que tu peux regarder ça, conçu déjà dans ta tête, et quand tu as ta soif, c'est ma que tu t'en mets pas. Tu t'en peux pas les mettre en application. Déjà, les mettre en application. Ce qui veut dire que quand vous avez un projet, si vous avez quelque chose à faire, il faut d'abord faire une conception d'abord. Il faut d'abord imaginer ce que tu vas faire. Si tu es sûr que tu peux superposer telle couche à telle couche, ce n'est pas en t'asseyant devant la machine que le logiciel va te dire, il faut prendre telle couche et puis tu as superposé. C'est toi qui dis, ah, pour avoir telle information, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais supposer, je vais prendre telle couche et telle couche. C'est parce que tu l'as déjà pensé ici. Alors, en partant sur le logiciel, tu t'en prends pas. Tu dis que le logiciel doit là pour faire quoi? Pour lancer le travail très rapidement. C'est tout. Ici. Il faudrait que ici, vous mettez aussi l'accent sur le travail. Parce que j'ai remarqué, ça c'est moi-même, j'ai remarqué. Mais ici, les gens mettent trop plus l'accent sur le traitement des humains, la durée des tensions. Mais le cycle aussi, le cycle est très important. Et comme je l'ai dit, le cycle, c'est de vous permettre de voir comment vous devez réagir, inventer, créer, réfléchir sur, pour ajouter ce qu'on appelle, en fait, du coup, un plus-value. Je prends un exemple. Si vous partez à l'INS, que vous devez allumer ces mêmes choses-là, parce que là-bas, c'est quoi? C'est de sortir les cartes, dessiner les cartes, et imprimer les cartes. C'est que tu n'as rien apporté. Tu n'as rien apporté. Alors que si tu vas dans une structure, tu vas, ah, tu dis ce que vous faites là, je peux vous apporter une solution qui peut aider à gérer votre structure. Ce que tu as créé quelque chose. Et c'est aujourd'hui, c'est là qu'on tente. On ne va plus sur la production des cartes, on va sur la création de quoi? D'outils qui peuvent aider quoi? Aider les gens à bien faire le travail, ou bien qui. C'est sur ça que vous devez vous parler. Non, si vous voulez apprendre les logiciels, allez faire quatre, ça fait la porte. C'est de réfléchir. Et comme je l'ai dit, tout ce qu'on fait aujourd'hui, les gens ont déjà fait. Donc, si toi, tu as une fois lu dans tes trucs que tu as vu ça, tu es pas, tu dis, mais ça, je peux te voir. Je peux appliquer ça ici. Essayez de réfléchir. Rien n'est ça. Mettez-vous au travail. La carte est bien, parce que tout un chacun a ses objectifs. Soit c'est des mêmes, tu sais comment faire 4, ça s'arrête à 4 là. Au lieu de que même il y a des gens qui ne se trouvent même plus à les 4 maintenant. Tout est dans les ordinateurs, c'est-à-dire tout le système est déjà à l'intérieur. Tu fais des requêtes et tout ce qu'on demande sort. Ça va? Grand frère, toi tu n'es pas bien, tu m'as laissé tomber? Non. Oui, en pause comme ça.
Ça peut aller? Ah, Dieu, ça va? Alors, je viens de plus. Alors, je viens de plus. Alors, je viens de plus. Oh, Dieu. Oh, on est dans le même parti, ça va? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On se voit après le coup. Bon, pour les dames. C'est pas la bonne. On va se voir, c'est bon. Tous en a se voir, écoutez. On a suivi pour imaginer quand tu. Donc, voyez un peu les cycles. Et dans celui-là, on a dit, dans un cycle, il faut combien de données? Il faut deux types de données. Il n'y a pas de données raster, il n'y a pas de données vecteur. Il y a des données sous forme raster, au format raster ou au format vecteur. Dans le cycle, on a deux types. Le premier cycle, c'est dans les données spatiales ou géométrique ou géométrique ou cartographique ou à l'inscription. Parce que géographique, c'est ça qui va nous permettre de faire, de localiser les phénomènes que nous étudions. Géométrique, c'est ça, c'est dans la forme géométrique. Et cartographique, c'est ça, c'est la forme là, quand on veut faire un cas, c'est ça qu'on voit sur. À côté, il y a des données qu'on appelle des données attributaires. Là, vous voyez, et ça peut ça. D'où le nom de la table attributaire. Ce sont des attributs qui vont permettre de savoir de décrire les données spatiales. Ce sont des deux types. Maintenant, les deux données, elles sont sous forme déjà alpha numérique. Elles sont déjà sous forme alpha numérique. Parce que si tu as, je prends le cas, si tu as un point, que tu n'as pas les données attributeur, comment tu vas faire pour décrire ce point? Mais c'est quand on a un point qui peut dire qu'on peut dire que ce point matérialise une localité, mais derrière, on va mettre quoi? Le nom de la localité, et c'est quand tu vas faire ta requête que si tu mets ta requête, si le point d'accès, c'est que c'est la localité en quelque chose. Ce sont les deux grands types de données qu'on a. Moi, ma question, ce sont les deux grands. Maintenant, les autres là, ce sont des formats. Ça veut dire qu'on veut essayer de modéliser la donnée cartographique. Alors, c'est là qu'on soit, on peut avoir ça en format vecteur ou bien au format raster. Sinon, ça peut aller. Ah, je ne suis pas venu faire messe ou bien prier à la mosquée pour que chacun soit à l'aise. Si vous avez des préoccupations, posez-les. Je n'ai pas, après quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit, il n'est pas compris, je vais vous dire maintenant vos questions ici.
Après qu'il est sorti, non, il est venu, mais qu'est-ce qu'il a dit même? Ça va? Et donc, on a dit, les données, comme on a dit, on a les données spatiales et on a la donnée. Bonsoir, chef. Yo, oui, chef. ça va? Bonsoir. Toi, tu bouffes le blé. Hey, Tu ne penses pas à moi, ça va? J'ai déjà passé. Ouais. Donc, voilà les deux types. Donc, c'est là, c'est quand on va combiner. C'est ça plus ça. Et ce qui va nous permettre de mettre ce qu'on appelle quoi, une base de données. C'est ça qui va nous envoyer la base de données dans un signe. Ça va nous permettre. C'est la première. C'est que ça, on ne les voit pas. Mais quand tu prends un point, ou bien quand tu prends une ligne, quand tu prends une réalité, ou bien une entité spatiale, obligatoirement dans un signe, il y a ces données-là qui sont derrière. Ces données, c'est ça que vous avez, que vous appelez la table attributaire, ou dans la table attributaire, vous avez des lignes et des colonnes. Et les lignes, on les appelle ça des enrichissements. Et les colonnes, on appelle ça des champs. D'abord, on appelle les colonnes un champ. Et ça peut être, on dit, il faut créer un champ. Quand on voyait le dessin, on dit, il faut créer un champ. C'est-à-dire, il faut créer une nouvelle colonne. Qu'est-ce que ça dit? C'est qu'ici, on peut créer autant de colonnes qu'on veut, autant de champs qu'on veut, en fonction des valeurs qu'on a. Et ici, les lignes-là, ou bien les enrichissements, c'est par rapport au nombre d'entités spatiales qu'on a créées, qu'on a dessinées. Si j'ai deux lignes, ou bien si j'ai deux points, alors je vais avoir combien? Je vais avoir deux enrichissements. Mais les champs dépendent des variables. Ces variables-là, quand on a un logiciel ici, quand on ouvre la table, il y a des variables qui sont automatiquement générées par le logiciel. Mais il y a des variables qui ne sont pas gérées par le logiciel. Par exemple, vous faites quelque chose, lui, il va vous dire que si ce sont des points, il va vous mettre un champ où il y a mes points et il va mettre points à l'écart pour dire que votre entité spatiale est représentée par des points. Maintenant, si c'est une localité, tu peux ajouter quoi? Le nom de la localité, c'est une variable. Quand on dit une variable, c'est que le nom diffère d'un point à une localité. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait quoi? Qui varie. Il y a aussi quoi? Le chiffre de population aussi qui peut varier. Ça appartient à quelle région tu peux aussi créer, à quel département tu peux créer, à quelle sous-préfecture. Quel est le type d'agriculture qu'on fait? Donc, tu peux créer autant de champs que tu veux en fonction des valeurs que tu as. Donc, c'est que tu peux avoir. Il n'y a pas une limite. Tu peux créer le nombre de champs en fonction des variables. Mais les variables qu'on met ici, ces variables-là, tout ce qui est dedans, que ce soit alpha, qui sont des données alpha numériques ou bien des données sous forme alpha numérique, on va voir que ce sont des données qui vont nous permettre de savoir, de décrire. Ce sont des données qui vont nous permettre de savoir des requêtes. Si tu viens, que tu tapes, tu te dis, ah, je veux voir toutes les localités où on fait de l'agriculture. Forcément, comme ça est déjà dans la table attributaire, quand tu as fait la requête, les localités concernées vont être comment sélectionnées pour dire, voilà, les localités là où on fait de l'agriculture. Donc, voilà que là, à partir de ça, on peut faire, si je veux faire une carte, je veux faire une carte thématique. Je vais mettre localité pratiquant de l'agriculture. Je vais faire sortir une carte pour illustrer ce que je veux faire. On dit, ce n'est pas la carte en question, mais c'est quand tu as une base de données, tout peut se faire. Parce qu'on peut interroger la base de données. Donc, le cycle aussi, c'est ça. La base de données, on va interroger, faire des requêtes pour pouvoir faire sortir des informations. Si j'ai fait qu'il y a deux localités, alors je peux dire que dans cette zone-là, il y a deux quoi? Il y a deux localités seulement. C'est une information que je donne qu'il y a deux localités seulement qui font de l'agriculture au niveau. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a une de ceux-là, après, on va dire, ah, comme il y a deux là, encore il y a deux, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer
pour voir la nourriture dans les autres localités. C'est l'information. Non, à partir de laquelle on a les informations. Et ces informations qu'on fait, on donne ça, on met ça à la disposition de ceux qui prennent la décision. Je ne suis pas compliqué, hein, mais quand je vais vous donner un petit un devoir de 10 lignes, il y a des gens qui vont aller me ramasser plein de trucs sur Internet sans chercher à comprendre. C'est ça le principe qui me fait mal. Le devoir qu'on vous donne même à faire à la maison, c'est ça même qui est pire même. Ils vont ramasser tout, parce qu'ils ne font pas une synthèse. Pour eux, il faut mettre ça tout dedans. L'ancien même va faire le choix. Alors, il y a un petit dessin que j'aime faire. Je vais venir à mon appareil parce que je ne vois plus bien, donc j'arrête un peu l'appareil. La réalité. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Ici, on va faire des mesures. Et on va faire des observations. Je vais vous expliquer. À partir de là, il y a une flèche qui va, à partir de ces données-là, on va essayer de. C'est ce qu'on appelle des modèles jusqu'à ce que on arrive là. Ça, c'est simulation. Ça, c'est la simulation. Je vais vous expliquer. En fait, à partir de là, c'est à l'heure que l'information peut-être. L'information, à partir de l'information, on vient à la décision. Et pour la décision, on vient à la réalité. Et ça dit, j'ai fait les flèches. Hein. Et après, quand je vais donner le document que j'ai, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, pour faire ainsi, on part de la réalité et on revient toujours à la réalité. Qu'est-ce que c'est que la réalité? La réalité, le cycle, on ne fait pas le cycle dans le virtuel. C'est-à-dire qu'on a un espace qui existe de façon réelle à la surface de la Terre. Je suis en train d'étudier, de faire une étude à Abidjan. Abidjan, c'est Abidjan qui est considéré comme quoi, comme ma réalité. Mais je vais parler quoi des données d'une autre ville. Si je prends des données d'une autre ville, ben, ce n'est pas la réalité d'Abidjan. Donc, si je fais, c'est sur cette réalité que je vais faire les mesures, les évaluations. Mais en faisant ça, je suis en train de faire quoi de collecter des données. Quand on dit mesure, ce n'est pas de prendre une règle finale. Mais quand tu travailles, tu comptes les éléments que tu es en train de faire voir des mesures. Quand tu vas et puis tu fais des observations, tu es en train de faire. Donc là, tu es en train de collecter ces données. Et une fois qu'on a ces données, pour les intégrer dans le cycle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des modèles. Pour les intégrer dans le cycle, il faut les modéliser, c'est-à-dire il faut les simplifier. Après, on va revenir. Et une fois qu'on les a simplifiés, quand on va faire la synthèse, on va analyser, on va faire ce qu'on appelle une simulation. On va faire de la simulation. La simulation, c'est quoi? On peut essayer de faire une comparaison entre deux époques ou bien entre deux faits. Par exemple, je vous ai dit, tu as superposé le sol, la pente, et tout. S'il pleut, comme ici, la semaine, s'il pleut, il va y avoir quoi? Inondation. Je suis en train de faire une simulation. Je n'ai pas dit qu'actuellement il pleut, mais je me mets dans un temps, là, je me projette dans un époque où s'il
où il va faire quoi? Il va pleuvoir. Il me dit, mais s'il pleut, il peut avoir quoi? Il peut avoir quoi? Inondation. Mais à ce moment où il s'agit de parler, il n'y a pas de pluie. C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit qu'on a fait de faire une simulation. Donc, je me dis, s'il pleut, il va avoir quoi? Inondation. Mais s'il va avoir une inondation, c'est une information que j'ai. Mais cette information, je vais faire quoi? Je vais communiquer pour qu'on puisse prendre quoi? Une décision. Maintenant, s'il y a une décision, si on veut mettre la, si on veut mettre la décision, on veut exécuter la décision, mais c'est où on va aller exécuter? C'est sûr. Tu n'es pas dans votre machine. Ah oui. Tu n'es pas dans la machine qu'on doit. Parce que même si dans la machine, si toi tu as dit, ah, voici la couleur bleue, pour, on dit non, si il pleut, il va y avoir une inondation, il y a mis une couleur bleue pour qu'on mette. Mais le monsieur, il ne va pas aller construire la maison pour, dans ton ordinateur, il va aller construire où? Sur la réalité. Donc le cycle, on parle de la réalité pour revenir. Parce que la réalité, quoi? Ce sont les données de l'espace réel qu'on va prendre. Qu'on va essayer de faire voir, de superposer pour, et on va essayer de traiter, analyser, pour faire ressortir quoi, l'information. Mais cette information, elle va être où? Elle doit être une information qui est à la réalité. Donc, c'est cette information-là qu'on va essayer de communiquer pour qu'on puisse prendre une décision. La décision, elle peut être, la décision, c'est quoi? Soit on fait de l'aménagement ou bien on ne fait pas de l'aménagement. C'est toujours une décision. Si le monsieur, il décide de qu'on construit là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de l'aménagement. Si le monsieur, il décide de qu'on construit sans tenir compte de ce qu'il a dit, c'est toujours là. Mais là, il va s'exposer à plusieurs choses. Parce que s'il pleut réellement, s'il y a une inondation, il va avoir, des dangers. Mais au niveau de la prise de décision dans le cycle ou bien dans un processus, ça se bloque à plusieurs niveaux. D'abord au niveau économique. Si le monsieur qui doit construire, si le camion de ça coûte cher, mais s'il n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser tomber, donc il est obligé d'aller construire sans faire des aménagements. Il y a aussi le côté social. Soit il y a les gens qui sont en train de faire des jeux, on dit là, ici, il faut qu'on chasse les gens. Il y a des gens qui disent, ah, vraiment, ça, c'est notre espace, c'est là que les gens vont, c'est de ça qu'on vit, ainsi de suite. Oui, vous avez vu ça un peu ici. Quand on veut dégager les gens, c'est là qu'on dit, ah, ce sont des gens pauvres, c'est de ça que les gens vivent, mais si on tient compte, on ne peut pas aménager. Non, on ne peut jamais aménager. Parce qu'on dit, non, c'est de ça que les gens vivent. Ce sont des familles pauvres, je ne sais pas, où aller. Quelle manière? Dis-moi ce que c'est. Nous, on est au CPN. Donc, voyez un peu. Et puis aussi, il y a le côté politique. Je prends un exemple. Dans nos parcs, vous voyez que dans nos parcs ici, il y a des villages. Mais le politique aussi, sur le côté de, ah, si je les chasse, je vais faire quoi? Des électeurs, je vais faire des valeurs, je vais les laisser là. Oui, c'est ce que nous, on a dit dans l'Afrique. C'est-à-dire, dans l'Afrique, quand on voit, on va dire, ah, si les chasses, parce que le problème, c'est que là où les gens sont, ils sont dans un quartier vraiment qui est très dangereux. Là, s'il pleut, les gens vont mourir, mais j'ai dit, bon, yo, pour les laisser là, parce que ceux-là, c'est eux qui vont faire que je vais donner mais ou bien plus je laisse. Et quand il y a les dégâts, c'est ça qu'on voit les gens à la télévision, on s'en est donné 500 000, 500 000, mais chaque fois, il faut que les gens meurent pour qu'on vienne de 500 000, c'est mieux de les chasser à moi. Donc, cela, ça veut dire que dans le site, on part de la réalité et on revient toujours à la réalité. Dans la définition que je vais dire, l'aspect géographique, ce n'est pas parce que déjà on fait la géographie. L'aspect géographique veut dire ce qu'on peut localiser, c'est l'information là où, à la surface de la Terre. Mais il faudrait qu'on arrive à localiser. Alors, si tu as travaillé dans un espace bien précis,
L'information que tu vas faire ressortir, ces informations-là, avec toi, ce sont des informations de la réalité là où tu as étudié. J'ai parlé de dire, il y a quelqu'un qui a fait un plagiat où il a changé de nom. Voilà. Mais vous avez vu que il a changé de nom. Mais comme les données qui ont été récoltées et traitées ont permis d'avoir des résultats, et ces résultats, ce sont des résultats du Sénégal. Donc, mais en changeant le nom du Sénégal par la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même. C'est-à-dire, ce n'est pas le même espace. Ce n'est pas le même espace. Même s'il y a des gens qui disent aujourd'hui, on dit il y a un monde virtuel, mais tu as fait des trucs virtuels, on ne travaille pas sur le virtuel, on travaille sur des trucs qui sont réels avec le site. Même si après, on doit faire des modélisations pour faire des projections, mais on tient compte de ce qui est là de façon réelle d'abord. On part sur, on a des références. Donc le site part sur des choses qui sont vraiment réelles. Des trucs qui sont dans l'espace. Et c'est après ça qu'on doit faire le cycle. Il faudrait toujours qu'on puisse avoir des données qui soient comment géoréférencées. Quand on dit géoréférencées, c'est des données qu'on peut les retrouver dans l'espace qui reste de façon réelle. Si tes données ne sont pas géoréférencées, je ne sais pas comment tu vas faire pour faire de l'analyse. Je ne sais pas comment tu vas faire pour faire de l'analyse. Ça va, hein? On n'est pas à la mosquée, mais à l'église. Il y a des gens qui ont des préoccupations posées. Je ne suis pas Dieu. Tu as chaud, quoi. Toi, tu es comment tu as chaud. Moi, mais chaud, je me souviens. S'il y a des préoccupations. Vous ne posez pas la question. Non, non, il ne faut pas dire on comprend. Je n'aime pas ça. Il faut dire que je comprends. Tu n'es pas la place des autres. Il faut que chacun soit responsable. Quand tu vas dire on comprend, demain, ils vont dire ah, mais il n'y a rien compris. Quand vous allez sortir. Parce que vous avez dit on vous connaît, il y a des gens qui vont se plaindre. Ah, bien, il a vu tout ce qu'il y a dit, je n'ai rien compris. Qu'est-ce qui t'a empêché de trouver la vérification ici? Où ils sont? Ça va? Alors, on va essayer. J'ai fait un petit rappel. Hein. Alors, selon vous, pourquoi on réalise ainsi? Pourquoi? C'est pour répondre à une problématique. Ce qui veut dire qu'on ne se lève pas pour ça dit, tu ne peux pas te dire, mais c'est quand dans cet espace qu'il y a un problème. C'est un peu comme un beau masque que vous allez faire. Dans l'espace qu'il y a un problème qui est là, alors tu dis, avec le sigle, on va pouvoir faire quoi? Résoudre ça. Donc, si on ne se lève pas, il y a quelqu'un qui est là, qui vient moi, il dit, ah, moi, je vais faire un sigle, tu as fait, ça pose sur quoi? Tu peux regarder aujourd'hui ce qu'il y a en fond. Soit, tu vois, l'état de la route dans ton quartier. Tu dis, ah, vraiment, l'état de la route, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais mettre un signe en place pour qu'on puisse utiliser comment le réseau. C'est parce que tu as vu que dans cet espace-là, les gens ne gèrent pas ça. Ils n'ont pas un outil qui leur permet de faire quoi? De mieux gérer les choses. On ne gère pas. C'est-à-dire, on ne fait pas ici pour faire le signe. On fait lorsqu'on voit qu'il y a un problème qui était là. Parce que, comme on a dit ici, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, c'est parce qu'il y a un problème, alors tu vas créer l'outil, si tu vas mettre en place un outil qui va leur permettre de résoudre ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils vont s'appuyer sur ça pour pouvoir résoudre. Mais ce n'est pas le site qui va venir régler, mais c'est comme eux, ils vont s'appuyer sur ça. Comme je l'ai dit. Ce n'est pas le site qui va te dire, il fallait mettre du sable avant de construire. Non. Mais, ils vont s'appuyer sur l'appliquer au vu de ce qu'on a là, vraiment avec les informations pour mieux qu'on construise, pour ne pas que demain on ait des inondations, vraiment il faudrait qu'on fasse quoi pour qu'on mette du sable avant de construire. C'est parce qu'il y a un problème. Donc quand vous voulez faire ainsi, si quelqu'un vient vers vous,
Il dit, ah, je veux faire de la nourriture, mais vraiment, je ne sais pas où je vais faire de la nourriture parce que je ne connais pas le type de sol. Vous pouvez utiliser le site pour quoi faire? Il lui dit, ah, en fonction, en bas, voyez pas, le sol, les pentes, tu dis, ah, ton agriculture, tu veux faire ça à tel endroit, à tel endroit, à tel. Parce que là, au moins, tu lui as donné un outil qui peut s'appeler ça pour pouvoir faire. Pour se leur passer, que quelqu'un vient, quand on fait le système, il y a un problème qu'on veut résoudre. Franchement, un problème, on ne se lève pas pour pouvoir faire. Et vous voyez que si on ne se lève pas pour pouvoir faire, ce n'est pas la même chose comme la carte. Parce que je vais faire une carte de la poste, je vais aller coller dans ma main. Ça, il n'y a pas de problème. C'est du papier peint. Comme je l'ai dit à des gens qui ont fait les cartes, mais ils n'ont jamais regardé. C'est comme nos anciens instituteurs. Ils ont dit ces encyclopédies énormes, mais ils n'ont jamais regardé. Donc, on fait ici, lorsqu'on a un problème, comment arrive-t-il? Lorsqu'on a une problématique, et comme je dis, le site intervient partout, ce n'est pas pour les géographes. Le site, c'est pour tout le monde. Les gens qui sont dans la santé font le site. Aujourd'hui, avec ces maladies qu'on a, ça nous permet de voir les zones qui sont plus touchées, et à partir de là, on peut maintenant faire de sorte que ça ne touche pas les autres zones parce qu'on connaît déjà là. Mais on peut s'appuyer sur le site. On a un enseignant, si vous tapez son nom, Bruyao Télescope. Il a fait une étude, je ne sais pas si c'est en Guyane ou bien quoi là, sur l'ulcère de Purulis. Et l'ulcère de Purulis, ils ont fait ainsi où là, eux comme là-bas c'est bien, ils ont leur adversaire, il a identifié tous ceux qui ont cette maladie. En même temps, il a fait l'occupation du sol. Donc, il est là superposé pour voir est-ce que ce n'est pas au contact de l'eau. Parce que c'est ça, on dit c'est une maladie. Donc, on a ça lorsqu'on est. Maintenant, il a essayé de voir et la majorité de ceux qui ont ça, ils sont en bordure des plans d'eau. Il dit plan d'eau, il n'y a pas du cours d'eau. Hein. Parce que l'eau qui coule, le vecteur ne peut pas résister dedans. Ce sont les plans d'eau. Même en RDC, j'ai eu la chaîne de la compagnie, on allait. Quand on a montré, mais ils étaient surpris. Ils disaient, ah, eux, c'est la première fois, mais pour eux, c'est de la sorcellerie. Oui, je sais de l'huile. Oui, c'est de la. Mais en superposant ces données, ça te permet de comprendre quels sont les facteurs qui sont responsables de telle maladie. Donc, ça peut se faire dans la santé. Ceux qui font la géographie de la santé au livre, ben, eux, ils font tout de même. Mais eux aussi, il y a des hic. Parce qu'à la fois, ils font, ils mettent à proximité la poubelle et la maladie. Moi, je dis, non, je ne suis pas d'accord. Mais il faut voir ce qui est dans la poubelle. Parce que si c'est du papier, est-ce que le papier peut donner telle maladie? Mais après, ils ont la poubelle, c'est mettre en relation, en mettant les ordures, mais il faut regarder le contenu. Mais en regardant le contenu, aussi, tu peux faire les approfondissements, on peut faire les sites partout. Dans le transport, là, je ne le dis pas. Ce qu'on voit au début, que les gens ont mis ça sur des applications, c'est à partir du site. Pour essayer de voir où on va. Et dans les grands pays, les gros camionneurs, ils ont ces gens de tout à parce que un camion qui quitte Abidjan à Kologo qui n'est pas suivi. Mais à un moment donné, quand il arrive à Yamoussoukro, il va s'asseoir un peu, il mange. Il va avoir, il arrive, mais il mange encore. Et jusqu'à ce moment, chez eux, là-bas, quand ils ont fait avec ce qu'on a, quand le camion bouge, ce n'est pas le camion, mais on voit qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc, ça nous permet de suivre. Et ça permet de suivre, ça permet de calculer combien de temps le camion met là-bas. Alors, ça va nous permettre de voir combien de livraisons on peut faire. Combien de livraisons on peut faire? Ce que le CNTG avait mis en place, les I communes, c'est le site simple. C'est le nom qu'ils ont mis, sinon c'est le site. Que ça fait? Ils ont identifié quoi, tous les opérateurs économiques. C'est-à-dire, on identifie tous les opérateurs économiques. Et quand on identifie, en même temps, ça vous permet de voir quel est le type de tasse. Mais quand c'est ça, tu peux voir combien on peut gagner par jour.
Si on connaît ce qu'on peut gagner par jour, on peut savoir combien on peut gagner par semaine, par mois et même savoir combien on peut gagner par année. Ça peut vous permettre de voir tous ces éléments. Mais c'est parce qu'ils ont identifié ainsi de suite. On sait quel est le type de tâche qu'il y a à faire. Parce qu'aujourd'hui, dans nos communes, comme les gens, ils n'ont pas ça, qu'est-ce qu'il faut? Il y a des agents collecteurs. Le gars, même, il a deux types de tickets. Ou la fois même, il a un ticket qui est propre à lui, où il donne le peu, il donne l'agent, ça, c'est sa poche. Et puis, il y a un petit ticket, il prend un peu, puis ça va donner à la mairie là-bas. Et vous allez voir que si vous partez dans les communes, si vous proposez ça, il y a des gens qui ne vont pas accepter. Parce que d'abord, le site est cher. Pour la mise en place, tu vas demander de l'argent et lui, quand il va voir, il va dire non, laisse. Et demain, il va appeler un de ses petits qui est au client, il va dire, appétit, viens. Le petit va faire sortir une carte, il dit, c'est pas ce que monsieur voulait prendre à 20 millions. Il y a fait ça à 20 millions. Oui, parce que lui, il pense que c'est la carte. Alors que toi, tu veux lui mettre à disposition un outil qui va lui permettre de faire quoi? De gérer ses affaires au quotidien. Ce qui veut dire que si vous devez des experts, vous pouvez aller partout dans les conseils, dans les mairies, pour leur faire la proposition d'un outil. Et ça peut être des outils, essayer de voir, mettre les développements que vous faites, c'est de la gauche humaine. Ce n'est pas pour chose, c'est pour que vous puissiez créer des choses. Pour que vous puissiez créer. Nous, on n'a pas eu la chance. Nous, on a fait A2. Ah. A2, je ne voulais pas en mathématiques. Mais moi, aujourd'hui, quand j'ai un projet ici, je fais appel à des gens qui sont folles. Parce que dans la vie, on se complète. Lui, il fait et après, on associe. Je sais que on peut utiliser le site partout. On peut utiliser le site partout, dans tous les domaines humains. Pour le sujet, pour tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le site. Même aujourd'hui, la détection que les gens font, ou quand vous faites, à un moment donné, les données que vous avez, on les intègre dans un environnement site pour pouvoir faire les requêtes, pour pouvoir voir quel est le nombre de superficie, quelles sont les cultures. C'est le site qui est la finalité de tout. Mais essayez de vous mettre au travail, de développer ça. Laissez la partie 4 là. Apprenez tout. Ne devenez pas des maçons, mais moi je veux que vous deveniez des architectes. C'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit. C'est celui qui est laissé comme maçon. C'est-à-dire, lui, quand il va partir, on va lui dire, bon, il faut me faire tel cas. Quand lui, il a fini, il est assis là, il ne sait pas ce qu'il va faire. Ça, c'est le maçon. Lui, il vient, il coule la brique, il prend un ciment, il met la petite lamelle, il fait la fantaisie. Donc, voilà qu'on peut faire. Essayez de vous mettre au travail. Cherchez fluidité. Vous avez la chance qu'aujourd'hui, il y a des tutoriels. Vous mettez dessus. Si vous ne comprenez pas, vous tapez. Quand vous disiez, c'est-à-dire quand tu mets en marche, un mois de tu l'arrêtes et tu retournes sur ta machine. Vous avez un mois de vous allez comprendre. Le plus que vous apprenez, si vous restez là, vous allez revenir là. OK? Merci. Donc, pour intégrer le cycle, ou bien pour intégrer les données dans un cycle, il y a ce qu'on va faire. Et je vais faire un rappel pour qu'on arrive là demain. On va faire ce qu'on appelle la modélisation. Si la modélisation, ou bien créer un modèle, comme je l'ai dit tantôt, c'est de simplifier quoi, la réalité. C'est-à-dire, on essaie de simplifier la réalité. C'est-à-dire, tu as un espace, tu as vu l'espace, tu veux essayer de trouver un chemin simple pour pouvoir comprendre. Pouvoir comprendre. Par exemple, il y a des modèles qui ont été créés, qui ne sont pas les modèles ici. Mais si vous cherchez
Bien, bien, parce qu'il y a le modèle à jouer, parce qu'il y a le modèle de Paul Tunel. Il y a le modèle de Paul Tunel. Vous allez chercher la Paul Tunel, c'est P-O-L-T-H-U-N-E-N. Paul Tunel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a regardé l'espace autour. Ça, c'est un modèle, ils ont essayé de modéliser, ils ont simplifié l'espace autour des grandes villes. Quand il a regardé autour des grandes villes, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'au niveau de la nourriture, les produits qui sont périssables sont où? De façon générale, quand vous voyez tous les produits périssables sont où? Sont plus proches des villes. Sont plus proches des villes. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas aller faire de la tomate à Colombie puis transporter jusqu'à la Vienne. Si tu vas même pas avoir une boule. Ah oui. Donc, si on veut poser la tomate, on fait ça autour. Et quand vous regardez Abidjan, essayez de voir un peu ceux qui vont. En partant à Dabou, à Abidjan, qu'est-ce que vous voyez? Après ça, qu'est-ce que vous voyez? De la banane rouge. Donc, c'est ce qu'ils ont. Vous voyez, ce sont les plantations des bananes qu'on a. Parce que la banane rouge, ça peut pas arriver jusqu'à bien ici. Tu n'auras rien. Tous ces éléments. Donc, au fur et à mesure, ils ont vu. Ça vous dit que l'espace, comment l'espace se présente? Et puis, c'est de faire quoi? Un schéma de faire de simplifier de façon. Et quand vous voyez un modèle, au fur et à mesure, on se rend des grandes villes. Et ça, on n'a pas besoin de choses. Mais lui, quand il a regardé, il a compris que c'est comme ça. Mais dans le signe, c'est une façon. Mais ici, ce qu'on va voir plus loin, c'est la modélisation cartographique. Ce que je vais appeler la modélisation cartographique. La modélisation cartographique. Ça peut simplifier nos données qu'on a. Comme je l'ai dit, on a deux données. Il y a les données spatiales et il y a les données attributaires. Les données attributaires sont déjà comment? Sont déjà simplifiées. Parce qu'on prend les chiffres de population. On écrit 10 ou bien 100, mais 100, c'est déjà simplifié. Ce n'est pas 100 personnes qu'on a ramassées et puis on vient mettre ça dans un point. On a déjà écrit, c'est-à-dire, ils ont trouvé la population. Ça, comme il a dit, ça fait 100. Ça aide déjà. Donc, les données attributaires sont déjà simplifiées. Donc, ça sont déjà modélisées. Alors, le type de modélisation qu'on va appeler la modélisation cartographique, c'est la modélisation qui porte sur quoi? Sur les données spatiales. Et dans cette modélisation, on va avoir deux types de modes. Là, vous pensez bien. Il y a le mode quoi? Vecteur. Et le mode raster. Donc, si vous comprenez, donc, il n'y a pas de données raster. Il y a le mode vecteur et le mode raster. Donc, quand on a les données cartographiques, on peut les simplifier de deux manières. On peut les simplifier en mode vecteur ou on peut les simplifier en mode raster. En mode vecteur, qui va essayer de me dire le mode vecteur consiste à quoi? La fille de Michel Rouna. Ici, on ne le fait pas, mais ce que tu as dit est bon, mais ce n'est pas le verbe. Le mot de c'est ça peut être à transformer les données hein, à des formes géométriques. Et ces formes géométriques-là, c'est quoi? C'est le point. C'est la ligne.
Et c'est le polygone ou bien la surface. Qu'est-ce que ça dit? Ici, nous les géographes ici, ou bien même si tu vas géographe, mais quand tu vas dans l'espace terrestre, ce soit cette toi. Ok, ça va. Quand tu vas dans l'espace, on a des objets qui sont représentés soit par des points, soit par des lignes, et sont représentés soit par des lettres. Je peux dire que quand vous allez faire vos cycles, si vous parlez quelque part, il n'y a pas de données, c'est vous-même qui devez faire quoi? Créer de la donnée. Mais en créant de la donnée, il faut savoir est-ce que ce que je vais créer, je vais le mettre dans quel mode? Est-ce que je vais le mettre en point, en ligne, ou bien en surface, ou bien en polygone? Ça, ce n'est pas la même chose. Si tu regardes dans l'espace que le phénomène a une implantation comment? Ponctuel. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le matérialiser par quoi? Par un point. Si le phénomène a une implantation ponctuelle. Si tu regardes que le phénomène a une implantation linéaire, alors tu vas le faire par une ligne. Et ici, au niveau des lignes, de façon générale, il y a deux ou trois. Il y a les poteaux et les routes. Et à des fois, on peut dire qu'il y a les lignes de route. Tu ne peux pas déplacer une ligne par un point. Tu as mis un point, c'est là seulement là qu'on trouve ta route, c'est que ta route ne va pas, tu n'es pas d'autre. Alors que le point, ça veut dire que c'est là seulement que l'objet est. Le cours d'eau, il y a le plan d'eau, il y a le cours d'eau. Le cours d'eau, c'est ce qui coule. Le plan d'eau, c'est ce qui ne coule pas. On parle d'océan, les mers, les lacs, tout ça, nous, on appelle ça plan d'eau. Le cours d'eau, c'est ce qui est à donc, le cours d'eau, c'est linéaire. Maintenant, il y a des éléments qui peuvent être de façon surfacique. Je prends un exemple. Tu veux délimiter une surface forestière. Mais à l'intérieur, si on considère les arbres, une implantation ponctuelle, mais ce ne sont pas les arbres qui t'intéressent, mais c'est la surface qui t'intéresse. Alors, tu vas faire quoi? Tu vas dessiner par un polygone. Parce que tu ne vas pas aller mettre des points d'arbres ici à l'envers. Tu ne vas pas aller mettre des points. Tu délimites, tu dis. Ça, c'est une surface forestière. Alors, c'est un polygone. Mais là aussi, il y a quelque chose de très grave. Il y a une échelle d'observation. Vous n'avez pas dit l'échelle de votre carte. Si je veux replacer le sable, vous voyez, dans toute la côte de Côte d'Ivoire, le sable, vous voyez, va apparaître comment dans toute la côte de l'Ivoire. Comme un point. Donc, si, en fonction de cette échelle-là, je ne vais pas matérialiser par un point. Mais si je matérialise le cerveau, à l'échelle du plateau, donc, là, il faudrait que. C'est-à-dire, il faut faire très attention quand vous. Par exemple, on vous dit, il n'y a pas de données. Tu vas essayer de prévoir, de créer la donnée internet, la donnée. Alors, il faut essayer de savoir, est-ce que l'élément que j'ai, je vais vous les avoir, je vais servir la donnée, est-ce par ou bien par une ligne, ou bien par une surface. D'accord, la machine, l'objet va t'offrir les outils qui vont te permettre de faire quoi? De simplifier le message. Toi-même, c'est ça qui va faire ça. Quand il y a des gens, quand ils décident de
Même, il y a des images qu'on dessine à un moment donné. Il y a les arbres, et puis le gars, il a fait la route, et puis à un moment donné, il s'arrête là. Et puis voilà. Même si y a les arbres, la route continue. C'est parce que la route, elle est vraiment en dessous, mais la route continue. Mais... Parce que si tu t'arrêtes là, cela veut dire que ta route, là, ça s'arrête là. Et après, je ne sais pas par quel moyen, quand le monsieur va arriver à sa voiture, je ne sais pas comment il va faire, comme il n'y a plus de route, il va faire des choses qu'on va faire. Donc, voilà à peu près comment. Donc, ça, c'est très important pour vous. Le jour parce que ne comptez pas plus que vous n'allez pas les réparer. Il faudrait que, et c'est ça, vous n'allez pas en vue de numériser les choses, mais il faut savoir comment on va. Toi-même, tu ne sais pas. La seule chose, c'est que le coût qu'on me donne, ce n'est pas beaucoup. 12 heures de cours, il n'y a pas de pratique. Donc, moi, je ne fais que ici, le point en termes mathématiques, pour tous ceux qui ont déjà fait, le point est égal à quoi? Le point, c'est égal à IC et IY. C'est-à-dire, c'est la rencontre des deux, c'est-à-dire de la longitude et de la latitude, ce qui va te donner le point. La ligne, c'est égal à quoi? X1, Y1, point, 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 X combien? Y combien? XL, YL. Et la surface, c'est égal à X1, Y1, c'est comme ici. Hein? Le polygone. Hein? Je dis un polygone. Je n'ai pas dit un carré, un cercle, j'ai dit un polygone. Parce que tout ce que tu as fait, ce sont des polygones réguliers. Mais on peut avoir des polygones irréguliers, mais j'ai dit un polygone. Quand on prend la forme de la forme du bois, on va dire que c'est un carré. La forme, c'est ici un carré, mais tu ne peux pas faire côté fois côté pour trouver la surface de la forme du bois. Donc, c'est un polygone irrégulier. Quand tu fais les champs, par exemple, quand vous dessinez, vous voyez qu'il y a une parcelle qui fait comme ça. C'est ça, la parcelle va, ça vient. C'est un polygone irrégulier. Là, il n'y a pas de formule pour voir tu fais les deux. Parce que je ne sais pas si tu as fait côté par côté, longueur par longueur, c'est pas donc, ici, pour que ça soit une surface, il faut que le point d'arrivée soit égal à parce que si le point d'arrivée n'est pas égal au point de départ, c'est une ligne. C'est une ligne. Donc, quand vous allez faire votre truc, c'est une ligne. Parce que pour que ça soit un problème, il faut que le point d'arrivée. Et c'est d'abord avec le GPS. Avant de partir, qu'est-ce qu'on fait? On marque quelque chose, c'est là où on est parti. Et tu tournes jusqu'à. Tu arrives et puis tu viens mettre là et tu vas aller là, ça se fait. Maintenant, si tu n'as pas arrivé, tu t'es arrêté là, ce n'est pas un problème, c'est une ligne. Parce que le problème, pour que ça se fait, pour que ça se fait. Mais ça, ce n'est pas la machine qui va vous dire. C'est vous-même. Ce qui veut dire que si on vous donne un projet, si, comme il faudrait que vous collectez de la donnée, c'est vous qui idée. Parce que le projet qui va venir, il se peut mais il ne peut rien dans le projet. C'est lui qui a fait. Donc, qui va aller chercher les données? C'est toi qui es toi. Je dis quoi? Expressif. Alors, il faut savoir quel type de données j'ai besoin pour pouvoir atteindre mes objectifs, pour pouvoir avoir l'information. Maintenant, ces données-là, quoi je vais faire? Comment je vais faire pour les modéliser, pour les simplifier, pour mettre ça dans, pour que ça rentre dans le ciel? Il faut essayer de voir aussi. Donc, c'est vous qui devez faire ça. Je vous le dis. Ce n'est pas parce que je dois vous mettre
on a toujours fait erreur. Parce qu'on se lève, on dit, l'ordinateur fait tout, l'ordinateur fait tout. L'ordinateur fait tout, mais quand tu as déjà fait l'ordinateur, si toi-même tu ne sais pas ce que tu as fait, l'ordinateur ne va jamais faire ça à ta place. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intelligence à l'utiliser. C'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a mis des nations, c'est pas le temps de là, c'est le pays. Ce sont des programmes qui ont mis des gens. Moi, ça peut être un indice, ça me fait rire. Et là, je ne vois pas, mais c'est sûr, déjà, je vais des programmes pour vous mettre ça à la rigueur. Mais c'est leur intelligence, c'est comment eux, c'est-à-dire ces gens-là, c'est comment eux, ils pensent que les titres qu'ils ont mis des gens pour que ça nous tout. Non, c'est pas le. Et moi, au lieu, les apprendre pour vous faire les titres de bac, ça existe toujours. Quand on fait les traitements d'image, on dit au logiciel, voici mes classes qu'il faut lancer. Après, tu mets toujours dans le cas pour faire des mots. Là, tu vois, non, intelligence artificielle. C'est quelqu'un qui a réfléchi. C'est quelqu'un qui a réfléchi. Comme il y a un ordinateur qui jouait, je ne sais pas si c'est un jeu d'échecs ou bien un tamahek. Mais c'est quelqu'un qui a réfléchi et qui a dit, pour faire ça, mais à moi, j'ai tous ces blocs. La machine sur le bas. Là, on n'est pas dit, ça, c'est pas possible. Tu as mis un ordinateur qui a créé, si toi-même tu n'as pas mis un programme dedans. Et ce sont ces programmes que vous-même vous pouvez créer, parce qu'aujourd'hui, on vous apprend à faire quoi? Je ne sais pas si c'est on vous apprend à faire la programmation. C'est d'arriver. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en fond? Il y a des fois, même les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont copié des programmes. Il suffit que tu changes les éléments à fonction de ce que tu veux. Vous pouvez faire ça. Je ne veux pas que vous puissiez payer l'argent. Et puis, je vous vois en train de mettre page qui va faire ça. Ça me fait mal. Ou bien aller passer contre la fonction de. Si tu veux utiliser, si tu veux passer comme une de la bonne, 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 la j'ai cours à la chaîne UNESCO en Côte d'Ivoire. Ça, c'est souffrance. Parce que même ils sont comme vous. Ils sont pleins, mais quand tu arrives, ils sont simples. Ils ne viennent même pas. Moi, je préfère. Ça, beaucoup. C'est ce que je vous vois si on regarde c'est sur le bout. Donc, beaucoup là, c'est déjà. Bon, ce n'est pas la seule chose qui est la seule qui peut vraiment apprendre. Essayez de boucler. Ça veut dire, on vous apprend plus ici, mais si vous n'avez pas ce destin de recherche, de créativité, vous allez rester là. Cherchez vous-même à comprendre, cherchez vous-même à voir, cherchez vous-même à chaque fois que vous dites des choses. Si vous asseyez là, vous dites à chaque fois ce que le prochain a fait, non, ça ne va pas. On essaie d'expliquer, mais c'est à vous-même. Vous passez sur les lunettes, vous cherchez, vous pouvez créer des applications avec. Avant, j'ai discuté avec quelqu'un. Il faut qu'on ça au cœur. À la fin de votre master, on vous passe que les stages. Parce que les sujets de recherche que les gens vous donnent, ça ne va pas que de pas. Parce que ce qu'on fait, c'est beaucoup plus pratique, plus technique. Mais qui va aller faire ça, créer quelque chose, pourquoi tu as besoin de quelque chose, c'est la déprétation. Tu vas pas jouer avec ça. Quel ton master de santé, tu présentes, ça va où? Ah, moi, c'est ça. Même si c'est pas trop, comme c'est une grande boîte, il peut avoir des petites sociétés
où tu peux aller quelque part dans une société, voir comment les gens sont écrits, comment tu à l'heure tu sais les regarder, comment ils font, et je te l'expliquer. Le préfet, c'est comme ça, il dit, il y a des fois, la société ne veut pas de stagiaires, mais c'est l'étudiant qui se propose comme stagiaire. C'est-à-dire, ce qu'ils font, il a regardé, puis il a créé quelque chose en prenant des données pour dire, ah, voilà ce qu'on peut faire avec votre programme. Et quand les gens ont ça, quand ils voient, ils disent, mais tu peux faire ton stage et puis à la fin. Parce que quand on fait le stage, c'est l'entreprise qui doit gagner d'abord. Et si l'entreprise gagne, c'est que vous dessus, vous gagnez parce que l'entreprise dit, ah, ce que tu as fait est très bon, il faut le faire en même temps. Les sujets, je n'ai pas les formes. C'est bon. Mais ce sont des sujets aujourd'hui et c'est ce que l'université veut faire maintenant. On veut créer, c'est-à-dire les filières, les maquettes, ce n'est pas pour les anciens enseignants. On veut créer des filières pour les étudiants. C'est-à-dire, quand tu as fini, qu'est-ce que tu as appris? C'est ça, c'est un sujet. Je n'ai pas dit à l'enseignant, ah, lui, il a enseigné ça et puis, non. Mais quand toi, tu sors là, oui, c'est ce qui est là. C'est parce qu'on a pas enseigné qu'on lui a plein de gens. Frère, demain, oui, je dis toujours, il y a besoin de géographie ici, ça. Quand on va les demander, vous nous direz quoi? Master en géographie, tu sais que quoi? Moi, j'ai une master en géographie. Non, non, qu'est-ce que tu sais faire? C'est ça le problème. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont dire, si vous voulez, j'ai un master en géographie, qu'est-ce que tu sais faire? Si il a quelqu'un qui peut créer une application, il va dire, bon, il faut essayer. Aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui. Cet enseignement qui donne des résultats et puis après un mois de mais un enseignement qui va vous permettre de vous passer là, la fonction publique va être remplie un jour, tout le monde va aller là. Ça, vous pouvez faire beaucoup de choses. Ça va aller. Si vous m'avez compris, je suis venu, j'ai parlé, il n'y a pas quelqu'un qui a été. On devrait changer de mandier maintenant parce que là, non, c'est ça, c'est bon. Il fait ce que merci. S'il y avait des préoccupations, hein, n'hésitez pas. Recenser l'air, parce que je viens poser des problèmes. Pourquoi on peut se recenser ensemble? Je vais vous dire, c'est que vous avez parce que moi, je n'ai pas fait de formation comme vous. Moi, c'est l'heure de ma thèse. Et puis, j'ai eu la chance de faire INS, c'est nous qui avons installé la cartographie. Quand on partait, même, on ne savait pas comment on a fait ça. La souris, vous voulez. On a fait avec l'heure de ma thèse. Parce que nous qui faisons l'hôtel ici, il n'y a pas quelqu'un pour te montrer, c'est toi-même qui es dessus. Donc, comme on dit, on a aujourd'hui, quand je suis devant les gens, je me défends. J'ai commencé à apprendre tous les jours, j'apprends. Même il y a des fois, il y a des choses que je ne connais pas, que je ne sais pas. On ne finit jamais d'apprendre sur cette terre-là. Celui qui dit qu'il a appris d'apprendre, c'est que c'est un argument. Il y a des trucs que tu peux faire, mais un coup qu'on le fait. Tu l'appelles, tu l'as donné. Ou bien lui, il vient et puis c'est comme ça. Donc, vous voyez que nous, on n'a pas fait un cura, on n'a pas fait pour travailler avec nous dans ce domaine. Chef, vous avez des amis là. Le lundi, envoyez-moi mon exercice. Il vous a déjà dit ça. Non, vous n'avez pas fait. Parce que Léon demande les notes. D'après lui, il dit qu'il est mon étudiant, mais il est plus. Il n'a rien pas fait. Ils sont.
La semaine prochaine, je vais tout faire pour qu'on finisse. Merci. La prochaine fois, je vais vous donner un petit peu de temps.